Non mais je te jure, si tu l'avais vu. Qui ça? Mais le braqueur, avec sa grosse cagoule qui lui cachait la figure. On aurait dit les forces spéciales. Oh là là. Et ils avaient des pistolets? Des pistolets? Ils avaient des fusils gros comme ça. Ah mais je te jure que ça faisait peur. Hein. Ça y est, maintenant voilà ton des braqueurs. Avec des fusils et des cagoules. Quelle époque, je vous jure. Je ne m'inquiète pas de ce que demain va nous apporter, car j'ai toujours été un optimiste. Le présent est ce que nous vivons. Ah, c'est pourri ça. Allez, Tom. C'est aujourd'hui que tu nous pond ton chef-d'œuvre. Dis-moi qui tu es, je te dirai ce que tu feras. Tu sais toujours pas quoi faire de moi. Hein.
Comme quoi, c'est vraiment donné à n'importe qui d'écrire. Tu sais bien que tu peux pas te passer de moi. Et toi, sans moi, t'existes pas. Alors mets-y du tien, s'il te plaît. Que j'y mette du mien? Tu déconnes ou quoi? Eh, chacun son job. Toi, tu fais les plans. Et moi, je les exécute. Et pour l'instant, tes plans... ils sont un peu foireux. Tu sais ce qui va être foireux? C'est te voir braquer une banque avec ça sur la tête. Ou bien, de devoir essuyer un bel échec. Ouais, c'est pas fou. Bon, on fait quoi du coup? J'en sais rien du tout. Ok. Si tu veux me voir braquer une banque, il me faut déjà une équipe, non? Mais ouais. Mais pourquoi j'ai pas pensé à ça? Il nous faut une tête pensante. Un mec bien matheux qui prévoit tout, qui calcule tout. Et pourquoi pas une femme? Ouais, ouais, bonne idée, ouais. Tu vois quand tu veux. Bon, pour le plan, je vais avoir besoin de la crème de la crème. Je veux le meilleur. Un hacker pour nous rendre invisibles et un mercenaire. Ils sont pas difficiles à convaincre. Faudra juste lui graisser la patte un peu. Elle est forte. Très forte. Bon, ok. On nous a tous réunis pour ton braquage. Alors c'est quoi le plan? Donc le plan, il est très simple. D'ailleurs c'est quoi le plan? Bon, on n'a qu'à dire que je conduis la voiture pendant que le hacker brouille les caméras. Non, c'est pas si simple. Sinon, le mercenaire, il a qu'à s'occuper des coffres. Il passera par la porte de derrière. On arrête, là. Ils sont pas cons. Moins de bruit, s'il vous plaît. Taisez-vous. Bah vas-y, cache ta joie. Non, c'est pas ça. Tu m'avais dit que t'avais du boulot et je pensais finir. Moi aussi, je suis contente de te voir. Tu viens? Ouais, j'arrive. Bon, déjà, j'ai du vin. Mais du vin? Eh ben, un vin. T'as l'air crevé. Ton histoire, ça avance? Ouais. Ça avance, je commence à avoir quelque chose de concret.
Trop cool. Je peux savoir de quoi ça parle? C'est pas compliqué. C'est l'histoire d'un mec qui est braqueur. Enfin, chauffeur pour des braqueurs. Lui, il a mon fond. Et il fait juste ça pour récolter une somme d'argent et payer la rançon de sa sœur qui est détenue par des malfaiteurs. Non mais attends, il se passe où ton braquage? Ici, à Monistrol. En pleine journée. Non, non, non. Bien sûr que non. À Paris. Évidemment. Ouais. T'as rien écrit. Non. Non, non, j'ai rien écrit. J'essaie, je crée des persos, j'imagine leur histoire. C'est au moment de l'intrigue, je bloque. J'arrive pas. Et tu te mets trop la pression. Non, mais je sais pourquoi je bloque, c'est juste que... J'aime pas ce que j'écris, c'est vide, c'est creux. Et tu sais que c'est pas vrai. Le seul qui a bien marché, c'est l'histoire la plus débile que j'ai faite. Eh. Alors de un, ce que t'écris, c'est pas débile. Et de deux, moi j'aime ce que t'écris. Ou alors je suis débile, moi aussi. Et des idées, t'en as plein. Ok, juste, écris pas pour les autres. Ok, écris pour toi. Juste, tu te détends, tu lâches prise, et puis t'as confiance en toi. Moi, j'ai confiance en toi. Je pense pas que ce soit une question de confiance, c'est pas... Tu vas y arriver. Alors, c'est quoi le plan? Non, ça va être très simple, les gars.